C'est la petite bannière, c'est tout, poulet. Ça veut dire qu'on arrive au bout de la map, mais la map elle est énorme. Hein. Elle est énorme. Pff. Laisse tomber, mec. Elle est vraiment énorme. K, bonjour à toutes les nouvelles personnes qui débarquent. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis un streamer ultra zen qui se prend pas la tête. Je vous propose du gaming détendu. On discute et on papote ensemble. Si vous passez un bon moment sur ma chaîne, n'hésitez pas à regarder ma grille horaire. Sinon, n'hésitez pas à me follow pour recevoir une notification email à chaque fois que je serai en ligne. Surtout ces prochains jours, je vais énormément jouer à Kingdom Come Deliverance. Là, on cherche un trésor, hein, pour les gens qui se posent la question. Qu'est-ce qu'on fout? On cherche un trésor. Quoi cette lumière là-bas? La lune? La lune, c'est des aliens. What the fuck? Ah, j'ai eu peur, hein. Y a des loups qui vont venir ou quoi? Il manquerait plus que ça là. Oh putain, y a des loups. La trame principale a l'air cool. Salut à toi, Mister Omega. Absolument. Bonne nuit, ma biche. Merci à toi. Merci d'être passé. C'est très chaleureux de ta part et très généreux. Je te fais un gros bisou. Je te souhaite une bonne nuit, Wolf Prout McDonald. Super sympa ton pseudo. Le jeu est super bien. Si jamais sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo où, qui dure 5 minutes où je dis pourquoi le jeu, pour qui le jeu est destiné, s'il vaut vraiment le prix. Je fais une petite vidéo de 5 minutes pour un peu orienter les gens qui hésiteraient à l'acheter. Mais entre nous, si t'es fan d'RPG, il faut absolument pas du tout hésiter à acheter ce jeu. Alors moi, je suis en Suisse, je suis pas en France, mais actuellement en Suisse, Je pense qu'il doit pour 5h du matin. Voilà ma poule. 5h10. Il y a des loups là-bas. Je les entends, les loups. Et je vais mourir. Ouais, en fait, il n'y a pas de rivière là. Hein. En fait, l'autre trésor, vraiment, en gros, c'est vraiment le néant. Hein. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'il pourrait être. Entre nous, j'en ai aucune idée. Putain, j'ai peur qu'il y ait un loup qui me pop dessus là. On les entend, on les voit pas. Franchement, ça fout les boules, hein, ce jeu la nuit. Hein. T'es pas à l'aise, hein. Comment ça accro? Je l'attends depuis pas mal de temps. Je suis sans développement depuis 2 ans. Ils ont pris le temps depuis les Kickstarter. C'est cool. Ouais, ça fait 6 ans qu'il est en développement ce jeu. Tu m'étonnes que ça prenne le temps. Tant mieux. Moi, je préfère que les jeux sortent, prennent du temps, qu'ils sortent trop tôt et que ce soit des pétards mouillés, tu vois. Et ça, c'est absolument pas du tout un pétard mouillé. Non, absolument pas. Alors pour le moment, je vais pas te mentir, des grosses batailles, faut y aller doucement, hein, parce que déjà, tu verras que dans ce jeu, quand t'as deux ennemis face à toi, tu pleures, voilà. Mais actuellement parlant, même avec des grosses batailles qu'on a eues par rapport au début, etc., en tout cas sur console, le jeu n'a aucun ralentissement, à aucun moment il y a eu le moindre bug, des petits bugs de dialogue mais qui vont être corrigés via des patchs. Par rapport au doublage, mais des tout petits trucs, hein, tout léger. Hein. Sinon, entre nous. Ouais, je vois que tu parles d'histoire. Je pense que le jeu. S'il y aura peut-être des problèmes d'optimisation, ça va être sur PC, parce que en termes de développement, c'est dur de rendre un jeu compatible avec 1 milliard de cartes mère, 1 milliard de processeurs, 1 milliard de cartes graphiques. Donc il y aura peut-être des petits bugs avec certains PC au début. En tout cas, sur console, il n'y en est pas question actuellement, parlons. On verra sur PC, peut-être qu'il y aura des petits soucis, mais je pense que si tu règles bien. Oh putain, il y a quelque chose. Putain, c'est un lièvre géant. What the fuck, c'est quoi ce lièvre? Bon, du coup, on a fait le tour là. Et là, je ne vois vraiment pas où est-ce que pourrait être ce putain de trésor. Hein. C'est moins d'être vulgaire, mais. Ouais, je vais faire ça, ma biche. Il faut que je surveille ma faim. Si. Juste finir de découvrir tout, hein, tant qu'à faire. Comme ça, au moins la map est jolie. Après, on a un peu une région épurée. Voilà. En fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire ici? Maintenant, avec le recul, je me dis. C'est pas là, tu vois.
Avec le recul, maintenant, je me dis, c'est pas là. C'est pas là du tout. Peut-être que c'est là. Peut-être que c'est là. Du coup, je vais aller jusqu'à là-bas. On va faire tout le coin de la map, comme ça on a été jusqu'au coin. Je vais aller jusqu'à là, je suis sur la route et après je vais remonter. Et je vais revenir depuis le haut jusqu'ici. On va faire ça comme ça. Comme ça on aura toute la partie. Alors, on va suivre la route. Salut petit lièvre. Salut ma biche. Et après je remonterai. Quand j'arriverai au bout, je remonterai et puis je repasserai par la voie du haut. Ça m'intrigue quand même de savoir ce qu'il y a là-bas au bout. Parce que tu vois ce que je me dis, de mon point de vue, cette rivière là, elle rejoint un courant à mon avis. Alors peut-être qu'elle rejoint pas de courant, mais je veux quand même savoir ce qu'il y a là-bas. Ça m'intrigue. À l'époque, il parlait du fait que le jeu continuait quand tu étais déco. Le monde vivait, etc. C'est ça. Actuellement parlant, je pense que c'est plus le cas, mais je me rappelle qu'ils avaient parlé de ça. Hein. Entre nous, ça serait assez compliqué. Déjà que le jeu est déjà assez dur en soi. On monte la carte au trésor, ouais. Avec plaisir, ma biche. En fait, il y a une rivière, mais c'est tout en haut. Donc, à mon avis, ouais, en fait, il n'y a pas de rivière de cette façon-là. C'est une route. Une route qui suit la rivière. Donc, une route, une rivière qui fait une queue de serpent et une rivière qui fait une queue de serpent qui sera au nord. Ça ne peut être que. Ah, c'est là. C'est là, les gars. C'est là. Regardez là. Là. Merde, il est où mon marqueur? Je le vois jamais, ce marqueur, les gars. Oh! Je vois vraiment pas. Ah, il est là. 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 On est d'accord. Là, ça fait un peu queue de serpent. Vous voyez ce que je veux dire? Bim, là, ça fait queue de serpent. Et si je regarde. Ouais, je pense que c'est sûr. Et en plus, si je correspond, ça correspond. Non, non, t'as raison, Glavi. Glavi, je pense que tu m'as bien indiqué, ma poule. Franchement, je pense que ça se trouve dans cet axe-là. Non, t'as raison, hein. Ouais, je suis le chemin. En fait, vraiment, les cartes, il faut vraiment les déchiffrer, hein. Putain. Allez, on y va. Pas de schnapps, hein. Enfin j'ai pas de schnapps. J'ai pas envie de crever, s'il vous plaît. Surtout qu'il y a quelque temps, il parlait pas de ça et je pense qu'on était stable pour sortir du jeu fini. Du peu que de vie sociale que le jeu vidéo me laisse. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je te jure que Mister Omega, maintenant c'est fini avec ce jeu. Hein. On aura vraiment plus de vie. Hein. Ah, le temps que ça prend juste pour trouver des trésors. Et là, je t'avoue que je suis stressé. Je me dis putain, j'ai crevé de faim. Les moindres erreurs, tu les payes dans ce jeu. Bien comme il faut. Voilà, bois de Vranica, mais c'était là. Je crois que je suis arrivé avant là. Il y avait par là les bandits, je crois, avant. Hein. C'était par là, hein. Ah, l'ambiance elle est ouf, hein. Musique elle est ouf.
Alors, moi, voilà, comme je disais avant, Avish, moi je suis quelqu'un qui aime pas rusher les quêtes principales dans des jeux comme ça. Moi, j'ai rien contre les personnes qui le font, absolument pas. Mais pour moi, ça perd le sens du jeu, la possibilité que c'est un monde ouvert, que tu puisses faire ce que tu veux. Moi, je suis quelqu'un de très RP qui m'implique dans le roleplay du personnage. Par contre, dans la quête principale, bah, on a fait un peu toute l'intro. Et du coup, bah, là, on doit, entre guillemets, récupérer l'épée qui appartient au seigneur de la région dans laquelle on venait, qu'on a forgé avec notre père. Mais là, on fait un peu ces trésors, et puis après, je vais avancer un petit peu dans les quêtes. Je fais un petit peu les trésors, après, je vais avancer un petit peu les quêtes. Je vais faire un petit peu des deux aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, jusqu'à demain 11h, je fais un petit peu des deux, mais je vais pas trop rusher la quête. Déjà, ça me correspond pas. Et de deux, il y a des gens qui vont voir le jeu, donc s'ils l'ont à des faibles doses, de toute façon, entre nous, le jeu est tellement vaste que vous allez rien vous spoil. Moi, je ne vais pas finir la quête principale aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans une semaine, ni dans 2 semaines. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup. Attends, moi je suis haut par contre. Ok, donc le trésor doit être par là. Le trésor doit être par là. Est-ce qu'il est sous la route ou au-dessus? Il est sous la route. Il est sous la route. Donc il y a des petits cailloux. Donc là, si je regarde. Il y a le petit coin là-haut, donc le petit coin de la vague. À partir du petit coin de la vague, il faut que je descende en diagonale. Voilà, à partir de là. De là. Je descends en diagonale. Tac. Je descends genre par là. Je sais pas, on va dire comme ça. Et là, si je regarde. Regarde, c'est pas ça que je vais regarder. J'ai vu ces 50 senteurs, même si je rush. Ouais, moi je pense que c'est même plus. Ce que je veux dire. Ouais, non, on verra, on verra, on verra. Ok, il faut que je rejoigne la route. Et à partir de la route, je devrais trouver des cailloux. Et à partir des cailloux, je vais descendre tout en bas, dans la forêt. Même peut-être, si ça se trouve, c'est vraiment le campement de bandits qu'on a vu avant. Hein. Je sais pas si je suis allé aussi loin avant, en fait. On va voir. Où est la route? Bon. Ok, là je peux rejoindre la route. Là j'arrivais sur la route. Oh, pour l'instant, niveau fin, il n'a pas trop faim. Ah ouais, bon, ouais, je te dis, on aura pour en longtemps. Ce jeu, il va être joué pendant plus de 2 ans, donc ça, on fait sûr. Ouais, en fait, je pense que c'est pas vraiment caillou, s'ils veulent montrer un peu que c'est montagne. C'est ce qu'on est en train de se passer là, on est en train un peu de monter une montagne. Tac, tac, tac. Oh, des biches. Oh, c'est bien mignon. Des petites biches, hein. Que tu m'as l'air super gentil, Mister Omega. Franchement. Tu m'as l'air super gentil et puis je pense que t'as bien fait de venir sur la chaîne parce qu'on a à peu près la même façon de voir les choses. Oh putain, il y a des loups. Ok. À partir de maintenant, je vais devoir chercher, hein. On va devoir chercher. Bon, on va descendre déjà. On va descendre. On va descendre. Il y avait une lumière blanche là-bas. C'est le ciel? Ah, c'est le ciel, ok. Attends, pourquoi? Oh, regardez le ciel. Magnifique le ciel. Merde, je pars où là? The fuck? Ok. Très bien. Très très bien. Tac 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 tac. Bon, on va aller jusque là.
On va voir jusqu'à où ça. On va déjà libérer la zone et après on va faire... Après on va attendre, on va passer en mode jour. Pire des caches, ça sera un lièvre et je mangerai rien. C'est gentil, Mister Omega. Bonjour à toutes les personnes qui débarquent sur le stream, on est avec Chop Chop, je suis un streamer détendu, zen, bonne ambiance, on part sur un marathon jusqu'à demain 11h, ça va bientôt faire plus de... je sais pas combien d'heures que je suis en live. Je ne peux pas partir, je n'en ai pas encore terminé ici. Ok, bon bah très bien, n'hésitez pas donc... Putain, est-ce qu'à un moment donné on pourra changer de région? Ah, ça serait ouf hein. Il faudrait une méga claque les gars. N'hésitez pas à regarder ma petite grille horaire si vous êtes intéressé par mon stream et à me follow pour recevoir des petites notifications email quand je suis en ligne et pour me soutenir au passage les amis. Salut, on m'a dit que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Oui, exactement. En tout cas sur mon stream, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil ma biche. Et dans le jeu, tout le jeu est beau. Et gentil, je sais pas. Pas vraiment gentil jusqu'avec nous. Alors, bon, on va ouvrir la carte, les gars. Là, maintenant, on est dans la phase, on va devoir déjà patienter pour qu'il fasse jour. Alimentation, 57. Bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Allez, repose-toi mon coco, 6h du matin, c'est bientôt. Bon, ça va, l'alimentation ça tient, il arrive à tenir 24h sans bouffer. Voilà. What the fuck, c'est beau quand même. Hein. Alors, juste torche, hein, parce que franchement, j'en pouvais plus de la nuit. La musique est magnifique. Hein. Du coup, là, petite vague, tac. On descend là, sud-est. Sud-est, on va voir un caillou. Après, on voit un cabanon. Et ça se trouve à peu près au même niveau que le deuxième pli de la vague. Ok. Donc ça va se retrouver à peu près là. Ça se trouve à peu près à ce niveau-là. Donc un deuxième pli, ça va se retrouver à ce niveau, ici. Ici, là. Comme ça. Je pense, hein, ça va se retrouver à ce niveau-là. On va voir là. Par là, par là, ce qu'il y a. Alors qu'il n'est pas sorti officiellement. Comment j'ai pu l'avoir? Je m'a fait décrocher à cause de ses nombreux bugs en tout genre. Dommage que l'immersion et au paroxysme dans ce jeu. Quand tu joues, t'as du mal à t'arrêter. Dommage que les bugs viennent te ternir le jeu. Alors je suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai eu strictement aucun bug sur le jeu. Là, c'est la version finale à laquelle je suis en train de jouer. Tu peux me le bannir s'il te plaît, tueur de brioche. Il n'y a rien à faire dans le stream, s'il te plaît. S'il te plaît, tueur de brioche. Ça va ou quoi? Non, mais je suis d'accord avec toi, Mister Mega. Tu peux me le bannir s'il te plaît, tueur de brioche, avant que je le fasse moi, parce que je sais pas pour qui il se prend lui, mais bon. On a une très bonne soirée avec des gens tous gentils. Non, mais mec, voilà quoi. Tu te fous un petit peu de la gueule du monde. Vas-y, barre-toi, hein. On est là, je sais pas pour qui tu te prends. Hein. Voilà. Voilà, je sais pas pour qui se prenait. Hein. Excuse-moi, Mister Omega. Hein. Moi, comme j'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui est là
pour m'emmerder, je suis quelqu'un de très zen. Des énergies négatives comme ça, je n'ai pas besoin. Je trouve déplacé, c'est sa façon de parler. Et un peu... la façon narquoise, donc merci, hein. Je pense que tu me regardes encore, mais merci d'être passé sur le stream, c'est sympa de ta part. Si tu m'apprécies pas, c'est pas grave. Tu peux me traiter de crétin si tu veux. Mais je te trouve pas très sympa, ta façon de communiquer envers les gens. Donc voilà. Pas bien qu'on tombe sur un mec comme ça, hein, sur 24 heures de stream, il y a toujours un mec. Le type il arrive, il dit que le jeu est complètement buggé. Il dit pour trouver le jeu, il suffit de sortir de chez toi. Non mais le type, ah non mais regarde ça. Ouais, comment t'as pu trouver? Évidemment, Mister Omega, mon chou, c'est normal que t'aies pas le jeu, il sort le 13. Moi en l'occurrence, je m'estime extrêmement chanceux d'avoir le jeu. Je vis en Suisse, donc on n'a pas à peu près les mêmes dates qu'en France. Des fois, on arrive à trouver des magasins qui nous les vendent avant. Et en plus de ça, j'ai un copain qui est distributeur. Donc moi, je peux juste ravaler ma fierté et m'estimer chanceux. Alors moi, personnellement, je dirais à personne, il suffit de sortir de chez toi. Non, j'ai de la chance et c'est tout. Et je vais me ravaler ma fierté parce qu'il y en a beaucoup de personnes telles que vous qui aimeraient être à ma place pour en ce moment être en train de jouer au jeu. Voilà. Donc, il faut pas prendre les gens pour de la mère supérieure, quoi. Et là même, comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un de zen, mais je supporte pas, entre guillemets, les gens qui ont un air supérieur. Gratuit comme ça, sans aucune raison. Et voilà, quoi, petite parenthèse, histoire est réglée. Histoire est réglée. Du coup, on va essayer de trouver ce trésor. Alors là, celui-là, il est vraiment chaud à trouver. Hein. Il est vraiment chaud à trouver. Ah bah tiens, une jolie petite biche. Bon là, j'ai fait le tour, hein, je crois. Hein. Voilà, donc maintenant, il faut que je cherche. Faut que je cherche, faut que je cherche, faut que je cherche. Quand je vais rouvrir la carte, donc il est là, c'est sûr. Il est dans ce panel-là. Il est ici. Tac. Je pense que là. On remonte la carte. Ouais, je vais remonter la carte, ma biche. Là. En fait, il y a un caillou là, il faut que j'aille au sud-est, et il va se retrouver à peu près à l'étage, enfin à l'étage, au niveau, à ce niveau-là. Comme ça, tout de suite, je dirais qu'il serait par là. Oh, descendre là. Tac. Voilà. Par là. Ouais, c'est possible, ma poule. C'est possible. Ouais, peut-être une grotte. Ouh, il y a quelque chose là. Voilà, je crois que je suis à la limite. Je suis à la limite. Non, toujours pas. Ah mais je peux pas descendre là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas venir là? Ok, donc là c'est la limite. La limite la map celle-là. What the fuck, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas descendre plus bas? Est-ce que c'est bloqué pour l'instant? Je suis étonné en fait. Si je veux quitter la province, il me faut d'abord la permission du seigneur Razing. Ah, ok, c'est hors province cette zone. Ok. Ok, donc peut-être qu'il est là en bas, mais je peux pas encore y aller. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ouais. On va voir.
En fait, j'ai fait un clip de la danse du trésor. Ça te dérange pas? Absolument pas, mec. Je dis à moi, il y a absolument rien qui me dérange. Moi, la seule chose que je trouve que je tolère pas, c'est l'irrespect, c'est tout. Reste. Amuse-toi, ma biche. T'as bien raison, là, oui. C'est ces moments-là qui sont magiques. Ouais, je peux pas descendre plus bas, en fait. Donc, j'ai soit je prie qu'il soit là-haut, soit c'est mort, quoi. Allez. On va voir si je trouve ce trésor. Sinon, voilà, quoi, on aura découvert de la map et tout, voilà. On sera amusé, on aura fait passer le temps, et puis on aura peut-être supprimé la prime qu'il y a chez nous. Il y a sur nous, on dirait ça plutôt comme ça. En tout cas, là, je vois rien. Je vais faire un métier en rapport. T'arrives à rendre zen, c'est ouf. Ah bah c'est gentil. C'est gentil ma biche. Mais en fait c'est vraiment le camp de bandits hein. C'était avant là. Ah non on n'est pas venu là. Oh, je crois que j'ai trouvé. C'est gentil Glaoui. What the fuck, on a trouvé vraiment bol. Glaoui nous a porté chance. Deuxième fois qu'il nous porte chance mec. Ou tu parles plus souvent. Vous avez découvert accident. Ah. Ouais, puis un cadavre. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh putain! Comme tu m'as foutu des boules. Putain d'obsidie, tu m'as fait peur. What the fuck? Bien joué à toi, merci beaucoup pour ton follow, ma biche, c'est très généreux de ta part, merci infiniment. J'ai eu peur là, vraiment, je m'y attendais pas, hein. Attention les gars, bon, par contre, est-ce que t'as quelque chose d'intéressant sur toi? Parce que du coup, là, si on regarde. Ouais, ça doit être par là. Attends, si on regarde la map. Attends, c'est ça le 2. Il y a une... C'est une cabane en fait. Ah, bah c'est bon, on est dans la cabane. Bon, c'est là. Bon, c'est là. Bon, les gars, est-ce que je vais faire la danse du coffre? Alors. Donc, ce 7 là-devant. Là-devant ou là-dedans, quoi. Un champignon de trésor, voilà. Vous avez trouvé le trésor de la carte 2. Attends, là, il n'y a rien. Je prends vraiment le temps de regarder, bien analyser la situation. Là, il n'y a rien. Est-ce que je peux monter là au-dessus? On peut pas rentrer. Putain. Là. Bon là, c'est quand même étrange parce que tu peux venir là. Lui, il est là. Qu'est-ce qu'il fout là? T'en sais rien. Tu peux pas le fouiller. Non, tu peux fouiller les gens. Ok. Là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Bizarre, hein. Putain, il ouvre ce trésor maintenant. Il y a un truc qui est juste par là, une tombe ou quelque chose. Alors, dans un tronc d'arbre. Attends, j'ai vérifié sur la carte. C'est un endroit pour une petite quête secondaire, genre une famille assassinée avec la maison qui a brûlé. Ah ouais. Possible. Possible, ma poule. Mais du coup, là c'est la cabane. Bah, ça a l'air d'être une cabane qui a été dessinée. Par si je me trompe d'endroit. Je peux monter par là? En tout cas, ça ne doit pas être là alors, finalement. C'est là dans la map par rapport à. Je suis quand même assez au sud-ouest, hein.
vais essayer de descendre plus bas, tu vois. Enfin, le plus bas que je puisse, je pense que ce sera par là. Essayez quoi. Je pense que c'est pas ici. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'ils ont, ils insistent exprès par rapport à, au fait qu'il y a la cabane avant. C'est possible, hein. C'est fortement possible. Ouais, peut-être que je peux pas encore y aller, hein, simplement. Parce que là, on va bientôt se retrouver bloqué. Il va dire, je ne peux pas aller ici. Je dois avoir l'autorisation du Seigneur pour pouvoir continuer. Je ne peux pas quitter le domaine sans l'aval du Seigneur Razine. Ouais, bon. Bon, voilà quoi, on aura fait le tour de la région. On sait qu'il y a 2-3 petits trucs par là. Maintenant, où est-ce que c'est? Ouais, mais tu vois, en fait, t'étais pas là quand on a trouvé le premier trésor, tu vois. En gros, de toute façon, c'est obligatoirement de l'autre côté de cette route. Et tu vois, par exemple, le premier trésor, on l'a trouvé. Et en fait, ça avait l'air prêt, mais finalement, il était presque là, tu vois. On va se rapprocher de la route, hein, de toute façon. On va se rapprocher de la route. Mais la carte du trésor, c'est à cause du DLC, hein, qui t'offre avec l'édition exclusive, hein. Sinon, tu l'aurais pas. Donc, peut-être que l'édition exclusive. Bon, après, tu me diras, c'est des tips pour le début du jeu en général. Et alors là, tes tips, tu les mérites, hein. Là, ton boost pour le début du jeu, mon gars, tu le mérites. Clairement. Ok, donc là-bas, on a la cabane là-bas. Là on a quoi maintenant? On va retourner à la route, hein. Peut-être qu'on retourne dans la route et on arrive. Peut-être mieux à s'orienter. Là il y a quoi? Quelque chose là. La route. Non, pas encore. Si c'est la route. Non, pas encore. C'est le gars qui se fait des autoflips. La route? Non. Maintenant, non, toujours pas. Pour plus tard, vu qu'au début il est un peu vieux, Pécor, pas du tout se mouvoir comme il veut, en chevalier ce serait autre chose. Salut à toi Tony, c'est pas à droite du fleuve la zone sur la map? Enfin, à quelle droite du fleuve ma poule? Ah bah mec, sur le premier coffre on a trouvé une armure de chevalier, donc c'est vraiment hiérarchique. Mister Omega, là-dessus, je suis désolé. Le jeu t'a contredit. Sur le premier coffre, on a trouvé une monstre méga armure avec une méga épée. Sur le premier coffre, hein. Avec une chier de thune. Où ça, tu dis, Tony? Mais tu vois, la petite vague, elle est là, ça c'est sûr que c'est là. Attends, quoique, est-ce qu'elle remonte? Peut-être que c'est moi qui vous ai tous induit en erreur, hein. Peut-être que c'est moi. Et est-ce qu'elle remonte? Il y a une sorte de petit truc de volcan? Ah, ça fait un petit volcan, quoi. On fait vraiment là, hein. Là, c'est la bonne région. À partir de là, bien par là. Ok, mais sauf que
va partir de là. Bon, regardons un peu. On va bien analyser la map. Hein. Carte ancestrale. Tu vois. À partir du deuxième pli, tu descends de là. Tu viens jusque là. Tu rejoins la route. Donc déjà, on va rejoindre la route. On va suivre la route. Parce que là, à partir de là. Donc de là. Tac, 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 tac. Là, normalement, on devrait trouver quelque chose. Genre un caillou ou un truc dans le genre. Mais je pense que c'est plus montagne, montée qui veulent nous faire comprendre. Voilà. Donc là. Pense que c'est Caillou qui parle. Voilà, c'est ces Caillou qui parle. Waouh. Voilà, c'est ces Caillou qui doivent parler. À mon avis, là, si je me mets sur la carte où je suis, ça correspond. Là, tac. Et là, si je regarde là, tac. La première, tac. La première descente correspond. Voilà, donc là, logiquement, si je me mets dans cette direction, donc ils disent mettre direction sud-est. À partir de là. Sud-est. Sud-est et continuer dans le sud-est. Dans le sud-est. En route à l'ouest, les rochers seront un peu plus loin. Non, mais je pense que c'est cela, hein. Parce que vraiment, moi je me base, regardez, regardez, regardez. Regardez sur quoi je me base. Tu regardes sur la map, tu regardes le petit cercle rond et tu remontes pile en diagonale, il tombe sur la redescente de la vague. Voilà, comme ça. Elle retombe comme ça. Tac. Et pas sur la deuxième vague. Ok, t'as la première, la deuxième, pardon, pas sur la troisième. Et comment ça va enfin d'ailleurs, les gars? Et du coup. Là, si on regarde où on est, nous, on est pile situé dans l'axe, je pense. Là, si je regarde là, je ressors là. Donc, il faut que ça soit pile dans cet axe-là. Là et pas là. Hein. Si je me mets là, je vais arriver ici. Si je me mets là, j'arrive ici. Là, il y a des cailloux. Il faut que je continue au sud-ouest. Ah, c'est peut-être la maison, en fait, hein. Ça sert à rien. Donc, je vais mettre au sud-est. Bah là, je suis le sud-est, quoi. Puis on va voir. Orange, je vais arriver, quoi. Puis tant pis, quoi. Bon, il commence à avoir faim. Notre ami. On va suivre le sud-est. Et on va voir où est-ce qu'on va arriver. Ciao Kevgarden, merci beaucoup, bisous bisous ma poule. Excuse-moi, j'ai pas vu que tu partais. Bonne journée à toi ma poule. Où est-ce que je vais arriver? Bon, je continue tout droit. On n'a plus rien à perdre. Hein. Et sinon, j'en reviendrai plus tard quoi. De toute façon, on trouve rien du tout. Genre rien. Je te dis, on va arriver à la limite et puis on va nous dire qu'on pourra pas aller plus loin, quoi. C'est exactement ce que je fais avant. Moi, je pense que c'est quand même bien au sud. Genre. Je ne peux pas partir. Je n'en ai pas encore terminé ici. Bon, voilà quoi, les gars. Entre nous. Il serait mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim. Je n'ai aucune idée. Où est-ce que ça pourrait être d'autre? A very big map, bro.
Ouais, bah là, je suis déjà parti monstre loin, mec. Laisse tomber. Et je vais regarder là ce qu'il y a. Pour regarder, mais je doute. Hein. Je doute vraiment. Bon, après, il faut te me donner l'idée que c'est un dessin fait à la vite par un mec. Par un enfant, peut-être. Qui a caché un trésor de son ancêtre. Du tout. Rien du tout, les amis. Pas une once de vie. Rien, mais il n'y a que dalle, mis à part des arbres, la forêt. Ouais, mais je te dis, c'est vraiment dans la zone où on n'arrive pas à aller. Parce que vraiment, si tu regardes ce trésor. Merci beaucoup Jaxia, c'est très, très généreux de ta part, le follow sur Twitch, ça me fait super plaisir. Namaste à toi ma poule, merci infiniment. Si tu regardes... Vraiment, ça c'est un point pour moi qui est important. Il se trouve... Attends, on va regarder la map. Il faut regarder par rapport au fleuve, où est-ce qu'il se trouve. Si je regarde par rapport au fleuve... Il se trouve pile dans le bas du deuxième coin du fleuve, de celui-là. Donc ça veut dire qu'il se trouverait dans cette lignée-là. Voilà. Dans cette lignée-là. Comme ça. Vous voyez mon petit point? C'est presque sûr. Et c'est pile où on ne peut pas y aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment là, par contre, ça c'est radical. Hein. Je pense vraiment qu'on peut juste pas y aller. Hein. Donc pour les personnes qui viennent débarquer, soyez les bienvenus. On est en train de chercher un trésor avec la carte. Mais je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il faut avancer un peu dans l'histoire pour avoir accès à cette zone. Soyez les bienvenus. Ouais, je pense qu'on peut juste pas y aller, quoi. Je vais essayer de voir si j'arrive vraiment à me mettre dans l'axe de cette rivière et continuer tout droit. Mais je pense pas. Parce que moi, ça, c'est des informations qui sont pertinentes. Je commence à avoir faim. Ouais. Et j'ai pas de bouffe, mec. J'ai peut-être de l'alcool. Ah! Merci beaucoup, Resolution Now. Thank you very much, bro. Thank you very much for the follow. Thank you. You are a brother. You are a brother. Sorry for my bad English. Alors... Ah, j'ai des carottes, mais voilà, c'est de la merde. Est-ce qu'on... On boit de l'hydromel, hein. Nourrir l'alcool. Spiritueux. Viande séchée. Ah, mais ça, c'est bien. On mange la viande séchée. Est-ce que je peux manger un champignon? On crève. En fait, je suis un peu bourré, là. Je pense que je suis un petit peu bourré, là. Ah, tu vois, j'arrive pas à descendre, vraiment, dans cette région de la rivière. Je ferais mieux de rebrousser chemin où le seigneur a dit. Ah, il parle comme un broch. Voilà, j'arrive pas à descendre à ce niveau-là. Pourtant, il n'y a pas de raison, parce qu'avant... Avant, là, on a réussi à aller jusque-là. On a été vraiment jusqu'au pont. Et là, il y a encore une petite partie nuage qu'on n'a pas découvert. Alors que là-bas, des nuages, il n'y a pas au bord. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois, les nuages ils ont totalement disparu, il reste rien du tout. Il en resterait là en bas. Oh là, c'est ma façon, peut-être que je me trompe complètement. Hein. Non, j'ai dit for you follow, j'ai pas dit pour. Ou alors j'étais vraiment fatigué. Non, j'ai pas testé ça, Jaxir. Non, pas du tout, ma poule. C'est vrai qu'il faut déjà que j'aille au marché, tu vois. Étant donné qu'il y a une prime sur ma gueule, je me balle. Je chassais le trésor. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant à faire. Je pense qu'on va essayer après. Du coup, on va se barrer, quoi. On va se barrer parce que notre gars est ivre mort.
On va voyager jusque... Ou alors, je peux peut-être aller chercher l'autre trésor. Ah, l'autre trésor. Mais non, il faut que j'ai des crochets et tout. Il faut que je crochette. Les autres, et c'était quoi les autres trésors, juste? On se rappelle. On va faire un peu de la quête maintenant. On a assez chassé de trésors. Ok, celui-là, non, c'est celui-là. Le 5, c'est lequel? Ok, le 5, c'est vraiment le truc en mode gros. Vraiment, what the fuck, mec? What the fuck? The fuck? C'est de imaginer où est-ce que pourrait être le. Une idée, quoi. Aucune idée où est-ce qu'il pourrait être ces trésors-là qu'on vient de voir. Faisons voir. Après? Non, c'est pas possible ça. La thèse, c'est ici, on est d'accord. C'est ici. Non, la thèse, c'est ici. Peut-être que ça appartient à un autre comté, j'en sais rien en fait. Aucune idée. Si t'emmènes le passeau, c'est vite fait. Ouais, bah c'est possible le poulet. C'est tellement grand, et puis regarde, mes mecs, regarde. Pff, là, on se perd dans la forêt alors qu'il y a encore tout ça. Bon, vivement que j'ai le cheval, quoi. Je crois qu'on va faire ça. Prochain objectif, il faut aller s'acheter un cheval. Ouais, on va aller voir en haut au moulin, on va rendre notre quête. Et puis, on va voir ce qu'on nous dit. On va avancer un petit peu. Allez, vas-y, mon coucou. Déplace-toi. Bon, on a bien découvert la map. On va pouvoir aller. Ah, attaque sur la route, oh putain. Fuir. Oh putain. Mais c'est qui ce gars qui m'attaque? Oh mon dieu. Non. Non, je veux pas mourir, mec. J'ai pas fait tout ça pour rien. En plus, je suis bourré. What the fuck? Oh, le voyage rapide, c'est vraiment la pire chose du monde. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu.